Première édition, loin derrière. Deuxième édition bientôt. Oui. Des informations, de la satisfaction pour la première édition. Déjà, la première édition s'est très bien passée, vu que je suis ivoirienne et originaire de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, la première édition, l'idée m'est venue de donner un nouveau visage à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire apporter une joie en dehors de la crise que nous avons connue. J'ai voulu qu'on quand on parle de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, on pense au pain tissé et non à la guerre. Donc, raison de plus, j'ai voulu faire ce défilé-là, qui s'intitule le Good Day, qui est un nouveau soleil en guéret. Et pour valoriser ce pain tissé qui est de la région. La deuxième édition, c'est du 2 au 3 mai. Ça sera en bordure de lagune sur l'espace Coca-Cola au plateau. Déjà, le 2, vendredi 2, il y aura l'exposition vente qui va continuer samedi 3 et on va clôturer avec un souper de filet. Tous les Ivoiriens vont s'intéresser à ce pain tissé. C'est vrai qu'au début, on se dit qu'il était difficile de le porter, mais aujourd'hui, il est porté, il est fait en plusieurs sortes, en fait, qu'on puisse vraiment le porter. Vous allez le trouver en sac à main, en chaussures, en plusieurs accessoires. Donc, il est porté aujourd'hui en tout temps. L'année dernière, c'était des mannequins professionnels. Et cette deuxième édition, j'ai voulu mettre un peu les femmes en chair, les femmes rondes, vu que moi, je suis potelée, donc j'ai voulu un peu valoriser ces dames-là en faisant cette deuxième édition à leur honneur. Bien sûr, je valorise le pain Waïdan, donc j'invite toute la famille de l'Ouest, pas forcément aussi, mais du centre du Sud, toute la Côte d'Ivoire vraiment à se mobiliser à cette deuxième édition. À venir voir, il y a vraiment de belles choses à voir. Il y aura déjà l'exposition, comme je l'ai dit, et après il y aura le défilé. Donc c'est sur 40 invitations, il faut appeler, il faut vraiment venir soutenir, quoi. Déjà, je me lance dans du prêt-à-porter, donc évidemment, on essaie de voir de l'autre côté de la diaspora pour essayer de faire vendre ce pain à l'extérieur. Donc tout le monde, je pense que les gens de la diaspora aussi ont appelé l'année dernière, juste après le défilé, pour demander. Oui, il y a déjà vraiment eu un retour et vraiment c'est encourageant de voir que les gens de l'autre côté nous suivent et tout. Et on attend vraiment aussi d'autres personnes qui veulent vraiment participer à cet événement. Alors pour cette deuxième édition, on invite tout le monde à venir, hommes, femmes, à venir vraiment se faire plaisir. Il y aura des belles choses à voir. Il y aura vraiment des très belles chemises à voir, des tenues en tailleur, des tenues de ville. Vraiment des belles choses à voir. Il faut tous venir voir. Et puis, je vous remercie et je vous attends. À très bientôt. Merci.